Je m'appelle Adrien Lemaire, je suis chercheur junior au CREST et administrateur INSEE avec Monsieur David Charmatz, procureur de la République, et Gauthier Elstrofer, son assistant. Nous avons mené une étude sociologique sur une cohorte de personnes détenues au sein d'une maison d'arrêt visant à objectiver leurs propriétés sociales et les modalités procédurales d'entrée en détention. Notre question de recherche, elle consiste à s'interroger sur les modalités d'entrée en détention procédurale. Donc comment on est entré en détention? Est-ce qu'il s'agit d'un échec d'aménagement? Est-ce qu'il s'agit d'une révocation de sursis? Est-ce qu'il s'agit d'une exécution de peine? Au vu de ces procédures, quelle a été la durée de la peine prononcée en fonction de la situation des faits? Est-ce qu'il s'agit de récidive, de réitération? Et à côté de ce volet juridique, on poursuit une question de recherche qui est une question de recherche plus sociale et sociologique, qui consiste à se demander quelles sont les propriétés sociales des personnes qui entrent en détention en termes de logement, en termes de santé, en termes de profession, en termes de chômage. Pour répondre à cette question, on emploie une méthodologie assez simple, à la fois quantitative et qualitative. D'un point de vue quantitatif, on a fait passer 118 questionnaires aux personnes détenues, les interrogeant les plus finement possible sur leur trajectoire sociale, professionnelle, résidentielle, etc. Et on a mené une cinquantaine d'entretiens biographiques approfondis, semi-directifs, visant à amener les personnes détenues à mettre en récit leur trajectoire. Un premier résultat exploratoire, c'est une véritable homogénéité des personnes détenues en termes de propriété sociale, caractéristique de la précarité. Le deuxième résultat exploratoire qu'on a, c'est que malgré cette homogénéité des propriétés sociales, qui sont celles du dénuement, on observe une grande diversité du vécu quotidien de l'incarcération. On observe par exemple que 11% des personnes enquêtées ne descendent jamais en promenade, c'est-à-dire se rapprochent d'un régime d'incarcération proche d'un enfermement en cellule de 24 heures sur 24. Et on observe aussi que 40% de la population enquêtée n'a pas reçu de visite et n'a pas fait la demande d'en recevoir. Donc on a de véritables écarts entre des personnes détenues qui sortent régulièrement en détention, d'autres qui ne sortent jamais, des personnes qui sont visitées, d'autres qui ne sont jamais visitées, et ces écarts-là frappent par rapport à la relative homogénéité des propriétés sociales des personnes détenues. Cette étude peut répondre à plusieurs besoins de l'administration pénitentiaire. Un premier besoin, ça pourrait être de connaître la population qui traverse les murs d'enceinte de la détention. Un deuxième besoin, ça pourrait être d'apporter des éléments sur la compréhension de la peine. On observe que 43% des personnes détenues enquêtées n'ont pas reçu d'explications concernant leur incarcération ou alors ne les ont pas comprises, ce qui ouvre un véritable chantier pédagogique en termes d'explication et de lisibilité de la peine qui pourrait en partie peut-être être menée en détention. Alors mon premier point d'étonnement, ça a été que nous avons inclus dans le questionnaire une question concernant l'utilité de la peine selon les personnes détenues et j'anticipais un relatif rejet de l'institution de la part des personnes détenues, notamment celles les plus engagées dans une trajectoire de récidive. En réalité, on observe que la plupart des personnes détenues reconnaissent une certaine utilité à leur peine, et parmi celles qui reconnaissent une utilité à leur peine, 53% ont déjà été incarcérées. Donc, dans les représentations des personnes détenues, réincarcération et reconnaissance d'une utilité de la peine ne s'opposent pas systématiquement. Si j'ai un mot pour mes enquêtés, c'est un message de remerciement pour le temps qu'ils m'ont accordé, la confiance qu'ils m'ont accordé. Se confier sur sa trajectoire biographique et sur les raisons qui nous ont amenés à l'incarcération est une démarche compliquée à laquelle la plupart des personnes détenues se sont livrées avec beaucoup de collaboration et de participation, ce qui témoigne en creux d'un besoin en détention d'activités qui s'inscrivent en dehors de l'incarcération et qui permettent aux personnes détenues de sortir de cellules pour réfléchir à leur parcours.